Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Mobazoo. Alors un nouvel épisode concernant la nouvelle mise à jour qu'il y a eu donc hier. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est, souvenez-vous, on avait fait un tas de mauvaises herbes on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Les packs est là donc je vais les prendre avec. Parce qu'il y a un nouveau système avec un dealer, alors on va aller le voir. En attendant je vais prendre mes paquets, j'ai déjà chargé le reste dans la voiture hein, bien sûr. Alors avant de partir, bon j'ai de la... Moi, je m'étais pris de la boisson, je crois. Oui, c'est bon. On va se prendre une poutine au cas où. À mise à jour, je m'attendais à plus de choses, mais bon. Voilà, on a attendu quoi, presque 2 mois, et je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Alors, je voulais le faire en live, mais finalement, je me suis dit autant le faire en vidéo. Donc là, il n'y a rien qui a changé. On n'a vraiment rien fait, et même dans la mise à jour, il n'y a pas eu de rajout au niveau du garage, ni quoi que ce soit. C'est vraiment une mise à jour qui est concentrée sur le farm et un bunker secret, donc on va découvrir ensemble. Il y a un nouveau système pour, bon là j'ai pas planté, mais du coup pour les plantations, j'en ai acheté un, il faut maintenant du pesticide pour traiter anti-bête, enfin anti-oui, puceron et tout ça. Donc ça c'est assez sympa. Donc nous ce qu'on va faire, c'est aller voir directement sur la carte. Donc là comme on peut le voir tout en haut de la carte, il y a écrit maintenant continent. Donc la route a été ouverte, ça c'est cool. Alors on va d'abord faire un tour peut-être en ville. Alors j'ai déjà un petit peu regardé, je vais pas vous mentir. Allez, démarrage. Alors j'ai regardé au niveau de la ville, j'ai vu qu'il y a 2-3 petites nouveautés au niveau du magasin de déco, là vous savez. Donc on va aller voir ça ensemble, hein. Bien évidemment. Alors j'ai pas mis les roues motrices, bon, pas trop grave. On va y aller tranquille. Donc on va faire un saut comme dit en ville. Alors je voulais faire un tour aussi à la cabane, mais pour l'instant il n'y a pas de nouveautés avant d'aller débloquer le bunker, je pense. Alors on va d'abord débloquer le bunker et ensuite on ira faire un tour chez nous au chalet. Alors en nouveauté, il y a aussi des drapeaux un petit peu partout, comme vous avez pu le voir dans notre roulotte. Donc c'est pour faire... Enfin, le soir, ils font des petites fêtes apparemment, regardez. Il y a un grand feu de camp et tout. Donc il faudrait voir ce que ça donne la nuit, est-ce qu'il y a du monde, est-ce que c'est la grosse fête ou pas. Je ne sais pas du tout. Donc à voir. Pardon monsieur, pardon, je suis pressé. Donc là au niveau du magasin de déco, donc comme dit, il y a 2-3 petites nouveautés, on va les voir ensemble. Et ensuite, on va découvrir le nouveau continent. Donc le développeur a dit que c'est une petite parcelle, donc je pense que par la suite, ça va s'étendre forcément. Allez, il est où le frame? Oh yeah, cherchez le frame. Hein. Voilà. C'est quoi ce bruit là? Ah, salut mec, tu vas bien? Donc là, vous avez vu, il a rajouté de nouveaux pots de fleurs. Voilà. Donc je vous dis pas tout de suite pourquoi. Pour ceux qui ne savent pas, je vais pas vous spoiler tout de suite en début de partie. C'est fermé, pourquoi? Parce que ça ouvre donc à 8h, on est quoi? Samedi? Ah oui, donc le samedi c'est fermé, je l'ai dans l'os. Je l'ai dans l'os. Donc on peut le voir là où on a maintenant du pesticide. Ce que je vous ai parlé, ce qu'on avait au dépôt. Et puis voilà, j'ai rien vu de spécial. Je voulais montrer le pesticide, oula, je vais y arriver. Et il y a encore des petits pots de fleurs. Donc voilà. Alors là, on n'avait rien de nouveau, je crois. Non, ça, on avait déjà vu, ok. Alors, il y a aussi des voix pour Francis, je crois, et je ne sais plus qui. Il y a des voix de PNJ qui ont été rajoutées. Donc nous, on va aller directement. Alors j'espère qu'il est là, le mec. Parce qu'on va aller voir, comme je vous ai dit, le dealer. Donc là, je vous laisse le chemin avec moi. Comme ça, pour ceux qui viennent d'installer la mise à jour et qui se disent où est dealer, et bien on le fait ensemble. Donc là, vous continuez la ville. On va passer la nouveauté, donc le grand pont, et on va aller sur le nouveau continent. Voilà, alors honnêtement, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à plus de choses. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Je dis pas, il y a un nouveau système de dealer. Donc il y a un nouveau système, vous avez vu, hein, il va falloir entretenir les plantes pour qu'elles poussent et tout. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais bon, encore une fois, je m'attendais à quelque chose où je peux dépenser mon argent, parce que après, une fois qu'on a nouveau plein d'argent, ben forcément. Voilà. Donc après, il faut dire ce qui est pour les personnes qui viennent d'acheter le jeu. Il y a énormément de choses à faire. Honnêtement, ceux qui viennent de découvrir ce jeu à l'heure où je vous parle, je vous le conseille fortement. Je vous le conseille fortement parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et maintenant, comme moi, qui a une bonne 60aine de jeux ou je ne sais combien, je m'ennuie un peu, clairement. Il faut dire ce qui est. Donc c'est sûr, hein, nous on est à la fin du jeu, on va dire. Donc à chaque mise à jour, c'est des toutes petites choses. Mais comme dit la personne qui découvre le jeu à l'heure actuelle, franchement, il a vraiment de quoi faire et je lui conseille fortement ce jeu. S'il veut passer des heures de jeu tranquille, eh ben, je ne peux que lui conseiller. Donc ensuite, on va tourner ici, voilà, sur le petit chemin de terre. Donc il est assez long. Il est assez long. Alors je vais passer peut-être en vue extérieure pour changer un peu, voilà. Donc c'est un terrain assez long. Et ensuite, au bout du chemin, il va y avoir notre ami, simplement.
Mais bon, je vous laisse bien le chemin au complet, comme ça, ça fait en même temps office de tuto pour ceux qui savent pas où il est, parce que moi je vous mens pas, hier j'ai allumé la game, et je l'ai cherché pendant une demi-heure. Et après je me suis dit, écoute, s'il a fait un nouveau continent, c'est que il doit bien y avoir quelque chose là-haut. Et j'ai bien fait, parce que je l'ai trouvé. Comme un grand garçon, je l'ai trouvé tout seul. Le mec tout fier. Non mais c'est vrai, c'était pas évident. Ce n'était pas évident, les gars. Donc là, comme dit, vous continuez. Là, on y arrive. On y arrive. Donc je suis allé voir au fameux chalet, il y a juste une pancarte qui dit « Va en ville et va au niveau de la grange ». Enfin, en sortant de la ville, quelque chose comme ça, il n'y avait rien, vous savez, par rapport à la trappe. Il n'y avait rien de spécial, mais on ira faire un tour après parce qu'il y a aussi une nouveauté là-haut. Un petit truc que je voulais vous montrer. Alors, je sais pas si en débloquant chez lui, ça va débloquer là-haut. C'est pour ça qu'on va découvrir ça ensemble. Voilà. On y est. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a notre ami le dealer. Alors, on va se mettre là. Ah, bien sûr, je pourrais aller directement sur le rond. Je crois que ça va être pris. Et voilà. On a ouvert le bar. C'est cool. C'est cool, c'est cool. En marche arrière. Marche arrière, j'ai dit. Je sais plus comment je suis du coup en vitesse. Voilà, marche arrière. Alors, je sais pas s'il est ouvert. 10h à 8h, d'accord. Alors, j'espère qu'il est ouvert. Enfin, il va être ouvert normalement. Je crois qu'il est ouvert tous les jours. Donc, une fois que vous avez déposé tout ça, que la mallette est pleine, comme vous avez pu le voir, ça va activer la quête. Et du coup, il va falloir aller ici. Voilà. Et là-dedans, il y a notre ami. Mais comme dit, il ouvre à 10h. Donc, on va attendre un petit peu. On va attendre une petite demi-heure et on se reprendra une fois qu'il est ouvert. Ok. Il est 10h. Voilà. Il faut attendre toujours 10h01. Voilà. Oh là là! Eh ben! Salut les gars, la forme! Salut Bobby! Ah, c'est des nouveaux ceux-là, non? Allumé, yeah! Just be casual man! Fila! Oh la vache! Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ça fume là, c'est vert ou quoi? On peut aussi faire ici nos trucs. Là, vous avez vu qu'il y a aussi la nouveauté, donc des énormes seaux pour transporter le cannabis, quoi, simplement. On a différents types de machines. 25 400. Alors ça, c'est pour faire des... C'est l'emballeuse, il y a écrit dessus. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, support à engrais, en gros. Ouais. Ouais, c'est ça, pour faire de l'engrais, ok. Ça, c'est quoi, ça? À vendre. There's a house bunker to build. Ok. Encore une machine bizarre, d'accord. Donc là, il va falloir un petit peu d'argent pour débloquer ces différentes machines. D'accord. Il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a vraiment rien d'autre, d'accord. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va faire un tour au chalet, peut-être, voir si ça m'a débloqué quelque chose. Alors, on est parti. Par contre, là, il y a quelque chose qui s'est barré. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Là, du coup, ils ne me les reprennent plus, ceux-là. Je peux pas lui les vendre. Ah, on dirait que si. Oups. J'ai raté. 1 sur 27. Dealer, 1 sur 27. D'accord. Apparemment, il y a une autre quête si on fait ça, vous avez vu? 1 sur 27. Ok. Oh là, il y a tous mes paquets qui tombent. Donc là, j'en ai que deux pour le moment. Il va falloir que je reproduise un petit peu. Alors, 2 sur 27. Alors, on peut... Ah non, j'ai déballé. Oh mince, le boulet, j'ai déballé. Allez, du coup, on peut les refaire ici, c'est pas grave. Je les referai ici, juste en bas, heureusement. Il va falloir que je reprenne un par un, c'est pas grave. Donc au pire, voilà, ça c'est fait. Et là, apparemment, ça va débloquer une nouvelle quête, hein, parce qu'il faut 27 packs. Du coup, je les ai pas. Je les ai pas du tout. Alors moi, je vais aller direction le chalet pour voir s'il y a eu de la nouveauté. Enfin, du moins, je sais qu'il y a une petite nouveauté, vraiment petite, je vais vous la montrer. Et je sais pas si par contre ça nous a débloqué un accès ou quoi que ce soit. Alors on va découvrir ça ensemble. Donc direction le chalet. Il est pas très loin. Enfin quoi que maintenant si. Si maintenant il est assez loin parce que on est sur un nouveau continent. Donc vous avez vu, ça a des nouvelles machines pour farmer. Donc farmer le cannabis, hein, comme vous l'aurez compris. Alors ça va être un système de fou qu'on va, j'espère, découvrir dans cette vidéo. Enfin en partie, parce que j'ai pas assez d'argent. 12 000, je n'ai pas grand chose. Mais bon, on va faire avec. Ça nous laissera le temps de faire peut-être un prochain épisode pour pouvoir tester toutes ces machines si vous voulez. Histoire de refaire un petit peu de mon bazou pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, selon le temps que j'ai pour avoir de l'argent tout simplement. Ok, magnifique. Stop, oui, frein à main. Donc voilà, la petite nouveauté, elle se trouve juste ici. J'ai vu que c'est donc la même machine qu'il faut pour l'engrais. Alors, composite inbox, fertilisant, ok. D'accord. Ensuite, là, c'est ça la fameuse trappe que je vous ai parlé. Et là, elle est encore fermée. Donc là, vous avez vu, il vous dit construire... Enfin, il faut aller voir le dealer pour construire apparemment. Ok, bunker 2001.
Donc là, rien n'a changé. Grange suite au pont sorti du village. Donc c'est sûr qu'on allait voir, bien sûr. Hein. Donc voilà. Vous venez ici à écrire ça. C'est pour ça qu'après, je me suis dit, oh, va falloir que je cherche où il est. Donc là, bien sûr, on avait vu tout ça. Il n'y a rien qui a changé. Ok. Bon, ben, on va essayer de rentrer, voir s'il y a eu de la nouveauté à la maison. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Allez, démarrage. Bon, ben, aucune nouveauté chez nous. Donc il va falloir faire 27 packs pour débloquer l'accès secret. Donc écoutez, on est parti. On est parti pour le du farm, hein. On va refaire à l'ancienne. Du replantage maison. J'ai vraiment pas le choix du coup. Ça m'embête fortement cette histoire. Si j'avais su, j'aurais fait ça en hors vidéo. Et on se serait retrouvé directement avec ce qu'il faut, mais bon, pas grave. Ce n'est pas grave. Donc il faut 27 paquets. C'est juste un truc de fou. Je sais pas pour combien de temps j'en ai, les gars. En tout cas, je vais faire tout ce que j'ai à faire ici, là. Voilà. Alors je sais pas si avec 27 paquets, je vais avoir essayé avec ce que j'avais planté là. Alors au pire, ce que je vais faire, c'est reposer ça ici. On va reprendre l'appel, refaire au moins deux lignes pour être sûr. Ça, je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment ramener les paquets et puis on avait accès à ce que je voulais vous montrer. Je me suis fait avoir un petit peu, mais bon, ce n'est pas grave. Donc je vais repartir là à peu près. Hop, hop, là. Donc là, ça va être vraiment la chie dedans, on va dire, parce que de toute façon, après, on aura tout ce qu'il faut. Vous avez vu les machines qu'on a pour ensuite faire du vrai. Du vrai, comment dire, la vraie plantation. Donc, par la suite, on va un petit peu plus s'embêter à faire tout ça comme ça. Là, dans un premier temps, on n'a pas le choix, donc je le fais. Ensuite, je démonterai tout le jardin, bien sûr. Et on fera tout ça en intérieur tranquillement. Mais bon, je pensais pas qu'il fallait que je me tape 27 paquets. 27 paquets. Allez, je fais juste encore ça là. Voilà. Je plante, j'arrose, et on se reprendra pour la mise en paquet. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais poser ma pelle ici. Je me suis laissé toujours mon petit stock ici au cas où. Voilà, comme ça me gêne pas. Et là, du coup, il me reste combien de graines? J'ai pas vu. Attends. Combien il me reste? 72? Ah oui. Ben, ça va. Par contre, ça va être marrant de votre tout arroser. Il aurait pu nous installer un système de tuyaux. Surtout pour ceux qui démarrent le jeu, ça aurait été vraiment pas mal qu'ils mettent un tuyau extérieur par exemple et qu'on a de l'eau pour venir arroser nos plantes. Hein. Parce que pour ceux qui savent pas, c'est à l'arrosoir et honnêtement c'est chiant de faire des allers-retours pour le remplir. Mais bon, juste vous montrer, regardez les amis. Là, il y a de l'eau, mais c'est infesté. Donc c'est pour ça qu'il faut le petit pulvérisateur. Voilà. Oups. J'en ai plus. Sérieux? Et c'est bon. Je n'ai rien dit. Et celui-là, infesté. Il est nickel. Ok. Donc j'ai replanté, mais regardez, jusqu'en bas. Voilà, jusque-là. J'ai compté, j'ai 198 plants de cannabis. Donc voilà, je pense que ça va le faire, j'espère. Là, j'ai une dizaine de paquets de prêts chez nous. Il va en falloir encore 17. Donc j'ai encore de quoi bosser, les amis. Alors comme dit, ben moi je vais continuer à faire passer le temps, à dormir jusqu'à que ça pousse, à prendre soin de mon perso. Regardez, on a quelques paquets ici. Là, j'étais en train d'en faire, donc voilà. Une fois qu'on aura tout ce qu'il faut, je vous reprendrai directement sur place, les amis, et on débloquera notre futur accès à notre pièce secrète. Hein. Voilà, tout simplement. Oups, j'ai mis la lampe de poche. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai bien travaillé. Donc il y a plusieurs semaines qui se sont écoulées dans le jeu. J'ai fait un petit peu de sirop d'érable aussi pour avoir de l'argent. Donc on est à 44 900. Donc là, je vais placer tout ici. Est-ce qu'on est bon, là? Yes! Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il m'a donné plein de fric! Il m'a donné tellement de fric! Excellent! J'ai pas fait gaffe à combien, mais il m'a donné beaucoup là. Oula, voilà. Je crois qu'il m'a donné 10 000 balles, non? Donc là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, il faut que je fasse des gros packs. Il va falloir la grosse machine. Alors, du coup, avant, j'ai vu, en regardant à nouveau ce que j'ai. Enfin, pendant mon montage, hein, ce que j'avais fait en gros. J'ai vu qu'il faut acheter ça. Pour débloquer le bunker et ça vaut 40 000, donc c'est parti. Yes! Le bunker sera fabriqué. Il faut 6 ou 7 nuits, sérieux? C'est un film? Là j'ai 14 000, je peux plus rien acheter. Si 9 000, je peux acheter ça, un gros seau. Alors je vais prendre ça. Ah oui, il faut attendre que le bunker soit fabriqué, ok. D'accord, donc maintenant pendant quoi? 6 jours, il faut attendre la fabrication du bunker. Enfin les amis, le bunker est débloqué. Donc au bout de 6 longs jours, il m'a fallu 6 longs jours pour. Enfin bon, en même temps, entre-temps, je suis mort de déshydratation, pour vous dire. Donc il reste 30 petites secondes. Et là, du coup,
Non, c'est juste... Ah oui, c'est là. Oh, regardez-moi ça. C'est incroyable. Incroyable. Donc du coup, en bas, ça va être la salle spéciale. Oula. On voit rien du tout. Ah oui. Ah oui, d'accord. Y a pas du courant, là? Oh, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. On a quoi, là? Système d'arrosage on-off. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Alors là, on a des pots. Alors, il faudra certainement les placer là en dessous. Mettre des graines à l'intérieur et faire pousser ici nos petites mauvaises herbes, hein, comme ils disent. On a même de la musique, là, ou quoi? Il y a des haut-parleurs. Ça, c'est quoi? L'emballeuse. Ah ben, on a l'emballeuse, là, du coup. Ça, c'est cool. C'est pour faire les très gros packs, là, vous savez. Mais c'est une pièce immense, quand même. Là-dedans, il y a eu un sacré travail. Donc là, apparemment, il y a des haut-parleurs, ouais. Ah, voilà, il y a la radio juste là. J'étais en train de me dire, ok. Ok, juste là, il y a la radio. Impeccable. Impeccable, ça. Ok. Ah ben, voilà, les amis. Hein. Enfin, on a le bunker. Donc, si vous voulez en voir plus, c'est que la prochaine fois, on débloque de nouvelles machines. Pourquoi pas? Ça nous ferait toujours un épisode. Donc voilà, je compte sur vous pour un maximum de likes, parce que sachez que cette vidéo m'a pris énormément de temps. J'ai dû la faire en deux fois. Donc voilà, juste le like de soutien les gars, et bien sûr si vous voulez une suite, hein, normal. Donc n'oubliez pas de vous abonner, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et portez-vous bien, bon week-end à tout le monde, allez, gros bisous, ciao ciao.